bien bonjour à tous les amis, c'est votre jumper, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi ça me fait nickel quand même aujourd'hui les amis, on se retrouve comme vous le voyez une fois de plus pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Sauver le monde. Et les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette aventure épique sur ce jeu complètement incroyable. Et quand je parle du jeu, je pense également bien sûr du mode de jeu les amis, comme vous le savez, Sauver le monde, qui retrace bien sûr un petit peu l'histoire de Fortnite. Et les amis, je voulais vous remercier énormément pour tous les astuces, les pouces bleus, les commentaires que vous m'envoyez, c'est complètement incroyable. Les amis, comme vous le savez, on avait débloqué pas mal de nouvelles armes ainsi que des nouveaux survivants grâce aux missions qu'on a effectuées. Les gens, on est de retour et ça commence direct avec bien sûr des nouvelles choses que j'ai débloquées. Parce que oui, les amis, vous allez peut-être le voir, effectivement, je n'ai plus les mêmes objets étant donné que les amis, j'ai dû changer de compte. Et oui, j'ai eu un petit souci avec le compte avec lequel j'avais commencé bien sûr Sauver le monde. Donc bon, heureusement, j'ai réussi à rattraper tout ça bien sûr avec mon compte, bah écoutez, celui que j'ai pu obtenir bien sûr. Et du coup, ça fait que les amis, alors c'est pas un malus parce que j'ai beaucoup plus de héros sur ce compte que celui d'avant. Regardez, c'est dingue, c'est complètement dingue tous les héros que je possède. Bon, ça va pas changer grand chose, hein, bon, mis à part que on va être encore mieux. Et même au niveau des armes qu'on va pouvoir crafter, regardez le pistolet à crypto. Il y a même également, regardez, ce agitateur. Enfin vraiment, beaucoup de choses, ma foi, fort sympathique, que j'ai hâte de crafter avec vous dès aujourd'hui. D'ailleurs, par rapport à vos astuces les amis, j'ai pu voir qu'effectivement, dans Sauver le monde, on ne pouvait pas effectivement réparer les armes, donc on va devoir bien sûr les recycler, du moins celles qui sont endommagées, pour obtenir des nouvelles ressources supplémentaires. Et bien sûr, absolument tout fouiller sur toutes les maps pour avoir énormément de ressources et essayer du coup des armes qui sont pas dans le mode Battle Royale. Et ça, ça pourrait vraiment être génial de faire ça au moins aujourd'hui. Voilà, donc du coup, on va checker un petit peu ce qui nous manque et on craftera vraiment l'arme qui n'est pas disponible dans le jeu. Tu vois, ça pourrait être bien, comme tu vois, il nous faudrait du minerai de cuivre, mais bon, ça va venir. Il va falloir ramasser un petit peu tout ça avant toute chose. Mais les amis, en plus de ça, en bonus sur ce compte-là, j'ai effectivement pas mal de lama parce qu'en fait, de base, c'était mon compte de base que j'ai. Du coup j'ai dû rattraper, tu vois, parce que bah, voilà, parce que bah, j'ai tout perdu avec l'autre. Donc du coup j'ai beaucoup de lama qu'on va pouvoir bien sûr dégommer aujourd'hui, parce que je vous rappelle que grâce au lama on va obtenir à la fois des nouvelles armes qu'on pourra crafter, mais aussi également des nouveaux héros qu'on pourra jouer au passage, parce que sinon rien à voir bien sûr. Donc du coup, alors attendez, on va aller directement et là, non, ça m'intéresse pas, non, la boutique, oui, attends, c'est là, c'est dans le butting, c'est dans le butting. Voilà, on va pouvoir regarder récupérer un lama. Et là du coup on en a pas mal. Vous cherchez les mines à butin? Oui, c'est toi l'ami. Donne-moi ce qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a? Des bonbons? Ouais, bon, les bonbons c'est bien, mais oh, waouh, on a obtenu une nouvelle arme. Ah non, bah non, bah c'est, oui, bah forcément, c'était l'arme qui était offerte avec le lama. On l'a vu en icône, tu vois. Alors attends, j'en veux bien un autre. Est-ce que je peux en obtenir 3? Parce qu'il m'en offre 3, donc du coup. Eh bah écoute, mon pote, désolé de te décevoir. Tiens, d'ailleurs, regardez les amis. C'est marrant quand même, regarde comment le lama il suit le curseur, tu vois, de la souris. Donc du coup, qu'est-ce que tu. Oh! Oh! C'est un lama beaucoup plus rare. Oh! C'est un lama en or! Oh là là! Il va looter tellement de trucs! Qu'est-ce qu'il a looté? Wouah! Attends, j'ai obtenu un nouvel héros! Deux nouvelles survivantes! Un nouveau piège! Le plafond, bon, bien sûr, ça en connaît. Oh! À ce moment épique! Qu'est-ce que c'est? Attends, ouvre ça! Wouah! Schéma de piège de plafond épique! Schéma de piège de sol épique! Le plafond! C'est mieux! Comme ça, on le voit pas celui-là, tu vois. Oh! Plafond à chute! Le procureur! Pas mal. Et là qu'est-ce que c'est? Oh, un survivant légendaire, long coup sniper légendaire. Oh, tellement cool. Mais tout ce qu'on est en train de débloquer. Allez vas-y. Oh là, ça va être encore à la main en or. Ça va être en la main en or. Oh, c'est excellent. C'est génial. C'est génial. Alors vas-y, donc survivant, ok. Donc je vous rappelle que ce sont les survivants qui nous servent, enfin qui protègent notre base en gros, ok. Donc épique, ok, encore des survivants, ça roule. Est-ce qu'on va avoir une autre arme? Ok, encore des survivants. Allez, oh, sympa, ça, bon, ça on connaît déjà, c'est un peu le sniper auto. Le triple entrave, pas mal. Le bazooka, bon, ça, on connaît. Ok, allons nettoyer. Est-ce qu'il y a encore d'autres lamas à péter ou pas? Moi, je vais péter d'autres lamas. Vas-y, attends, je le pète. Bim. Oh là là. Tu m'étonnes. Bim. Oh, encore doré. Oh là là, il est tellement beau. Et bim. Ok, allez, donne-moi des trucs. Allez, pas des surveillants, s'il te plaît, parce que les surveillants, j'en ai trop. Ok, défenseur. Ou attention. Upgrade. Alors, constructeur rare, aventurier rare. Je vote pour le constructeur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais obtenir? Oh, un héros. Héros constructeur, des tickets. Ensuite, ok, un survivant encore. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Une arme, s'il te plaît. Donne-moi une arme. Alors, attention, qu'est-ce qu'on a comme upgrade? Entraîneur privé, médecin épique. Entraîneur privé. Vas-y, vas-y, donne. Ok, un survivant en plus. Oh les amis, on se met tellement bien. Et en fait c'était pas plus mal que je recommence un truc, tu vois. Oh, harceleur. Wow, le pompe camo là. Ok, là attention, légendaire. Ninja légendaire, constructeur légendaire. Oh ninja, ninja légendaire, direct.
Faire un petit peu. Attention, les amis. Oh, encore une double upgrade. Scorpion lame mortelle. Ouais, scorpion lame mortelle. Ça, ça pète, ça. Allez, vas-y, montre-moi la carte. Oh là là, stylé. On va le jouer. On va le jouer. Et là, attends, attends, j'ai débloqué un truc. Attends, attends. Waouh, tranchante. Oh my god, les amis, on s'est fait tellement plaisir. Oui, j'ai d'autres lamas, mais on les ouvrira plus tard, hein, parce que là, honnêtement, vu comment c'est bien. Oh, donc oui, forcément, j'ai joué avec Kai, hein, bien sûr, un petit peu avec elle pour pouvoir rester un petit peu avec un perso qu'on avait déjà de base. Oh, j'ai sélectionné le scorpion, le mortel. Oh là là, on va se mettre tellement bien. Ok, donc, au niveau des quêtes, mais parce que maintenant qu'on s'est mis bien au niveau des... Attendez, les armes, je vous ai montré, hein, vous avez vu les héros. Hein, vous allez voir, attends, quand on va être en jeu... Attends, attends, est-ce qu'il y a moyen d'avoir d'autres armes, là? Attends, directement, ce serait trop cool. Oui, parce que autant bien s'équiper avant d'y aller. Oh, oh, attends, attends, je veux ça. Ça, je le vire. Voilà, et je veux le maléfique à lunettes. Oh, yes. Est-ce que je peux crafter un truc de fou, s'il te plaît? Oh. Oh, il me faudrait tellement de composants. Il faut que je recycle les trucs que j'en trouve. Vous savez quoi, les amis? On va recycler, regardez par exemple ces armes. On va faire recycler. Voilà, je recycle ça. Ok, donc je vais obtenir des écrous. D'accord, ça roule. Celui-là, pareil, on le recycle. En soi, le mieux, c'est d'en choisir plus en même temps, quoi. Oh, il est tellement stylé, le croisé. Qu'est-ce que je pourrais recycler? On va recycler ça. On va recycler ça. Ça. Allez, du coup, on va obtenir des ficelles et des écrous. Qui vont nous permettre bien sûr de donner une nouvelle ressource pour des armes. Ça pourrait être génial parce que même les armes légendaires, mais regarde ça quoi. Oh là là les amis, on est tellement pété au niveau de nos armes quoi. C'est tellement cool. Alors je vais dire quand même le katana parce que bon, hein, le katana on connaît déjà. Et du coup je vais utiliser le révolteur du fondateur. Voilà, oui parce que bon, je l'ai un petit peu eu, hein, sur mon compte principal avec le fondateur. Voilà, mais bon, j'avais pas fait ça seulement, donc j'ai dû tout rattraper, tu vois. Donc du coup, ensuite on aura celui-là et celui-ci, donc le sniper, ça va être vachement cool. Donc du coup, enfin le fusil plutôt, on va foncer maintenant les amis en direction d'une nouvelle mission qui est défense de bouclier, augmenter le niveau de puissance de votre bouclier anti-tempête, puis défendez-le. Donc oui, c'est exactement au même endroit où on a été la fois dernière, qu'on avait arrêté avec Lars, voilà, hein, je vous rappelle, avec le fameux mini-camion qu'on a fait voltiger grâce à un ballon, tout comme les bus. Donc du coup, hop, on va choisir un petit peu la zone. Oh, ça, je récupère, tu vas-y. Oui, parce que bon, c'est défense. Ok, donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Lancement du bouclier. Oh, préparation de la connexion au salon. Est-ce que vous êtes prêts à défendre la base? Ok, les amis, attention, c'est parti. Alors, notre bouclier tempête est un peu trop petit. Oh. C'est un peu dangereux, mais c'est dans nos cordes. Ok. Bon, j'évoquais une complication. Il semblerait que le bouclier anti-tempête ait des qualités explosives. Oh, 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 oh. On peut même dire que c'est une bombe. Aha. Nous ignorons pourquoi il produit un bouclier au lieu d'un petit cratère. Mais on ne s'en plaint pas. D'accord. Que cette amélioration. J'espère que ça va pas. Ou pas. Ça va pas péter. Allons-y. Ok, donc. Cette fois, l'attaque peut venir de n'importe où. Ça roule. Vous devriez vous préparer à une attaque provenant de l'est et de l'ouest. Ah, donc aux deux endroits où bien sûr je n'ai absolument rien du tout. Ok, donc les amis, vous l'avez compris, en fait là on va devoir rétablir une amélioration au niveau de notre base. Bah oui, parce que bon, regardez, j'ai dû refaire un peu tout le truc et tout. Et du coup, bah, parce que c'était une mission, c'était la première mission, il me semble, enfin une des premières missions qu'on avait fait bien sûr sur le monde. Et là on va devoir améliorer la base pendant qu'on améliore le bouclier anti-tempête, hein, qui sera beaucoup plus puissant. Hein. C'est un peu grâce à Lars qu'on a un petit peu appris tout ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais. Bah écoutez, on va mettre un petit peu ce qu'on avait fait comme technique au passage. Bon, par contre, le must là pour le coup, ça serait de pouvoir. En fait, revenir ici, donc le must, ouais, ce serait de protéger un petit peu le dessus, je pense. Au niveau des ressources, on n'est pas trop mal. Alors, comme on me l'a précisé, le mieux, c'est absolument de tout ramasser, hein, au niveau des ressources, parce que non seulement ça va nous servir à la fois pour les crafts, bah écoutez, de nos armes, hein, qu'on aura besoin bien plus tard, hein, si on veut des améliorations au niveau des armes, mais surtout au niveau des ressources tout court, hein, qui sont bien sûr gardées, hein, pour les autres missions, comme vous le savez. Donc du coup, hop, je vais récolter absolument tout ce que je peux, parce que bon là, et au niveau du bois, c'est pas terrible, mais j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de structures dans le coin, donc je doute quoi, à mon avis, on trouve de trucs, hein, c'est assez intéressant. Regardez, là, on a le caddie, quoi, c'était le destin, on savait que le caddie allait être ajouté. Tu vois, donc du coup, le must, c'est voilà, d'établir une protection à l'est et à l'ouest. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, ça c'est pour plus tard, on est, ça va être les améliorations. Oh, ça va être tellement de style de fou. Ça va être style de fou. Le mieux, c'est peut-être que je fasse des ouais, des constructions en briques là pour le coup, parce que là, au niveau de ce truc là, on n'est pas terrible. Alors, je peux pas un petit peu attendre la compétence du ninja. Je sais pas si je peux la voir tout de suite. Ah non, je peux pas. J'en doute, à mon avis, il faut qu'on soit en. Ah si. Oh, ça balance des shurikens. Oh, alors attends, on va tout de suite mettre nos constructions en briques, histoire de modifier un petit peu tout ça. Je vais remettre un petit peu bah, le sol. Bon, en soi, le plafond, bon, il est pas très. C'est pas très important, mais tu vois ce que je vais dire, quoi. Donc, du coup, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà, comme je l'avais fait. Voilà, moi, bon, après, de toute façon, bon, au niveau des armes, chute au top du top. Au niveau des munitions, c'est pareil. Bon, par contre, il y a quand même une arme
qui va être assez légère au niveau de la résistance, mais ça devrait le faire. Donc du coup, moi les amis, je suis totalement prêt. Attends, je vais quand même construire encore un truc ici comme ça, parce que bon, il demande d'ajouter des fondations, enfin des escaliers supplémentaires. Et on va faire la même de l'autre côté pour que ça puisse démarrer quand même la mission. Parce que même moi, si je pense que c'est bon, peut-être que pour lui, ça ne suffira pas. Ok. Ça roule. Ok. Allez, let's go. Alors, étendre le bouclier. C'est parti. La puissance du bouclier augmente. Bon, là, honnêtement, on va être tranquille ici. Je peux faire la porte? Ok, c'est bon. Ok, ça roule. Ok, début de la vague dans 20 secondes. Ça roule. T'inquiète. T'inquiète. Je suis un ninja. Tellement stylé. Tellement stylé de fou, quoi. Ok. Oh, par contre, j'avais pas vu en haut qu'il y avait un mirador. Il y a peut-être des trucs dedans. On ira voir après. On ira voir. Attends, on va récolter. Oh, ils arrivent. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Beehive! Un zombie abeille! Oh my god. Oh, ça va faire mal. Il arrive de quel côté? Ok, ils arrivent du côté où il y a les pièges. Alors, gardez les PV du bouclier en dessous des 80. Ok. On va laisser quand même un trou au cas où il y a un peu trop de monde. Attends, lui. Ok, ça c'est fait. Alors, lui, je connais pas du tout. Oh, il fait tellement mal. Bon, de ce côté-là, je pense que je devrais pas trop me. Oh! Non mais attends, t'as pas sonné mon pote, t'as oublié. Ah par contre au niveau des pièges on est pas terrible. Mais bon ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, même si je sais qu'au bout d'un moment il paraît qu'au niveau des missions ça va tellement être dur que je vais être obligé quand même de devoir jouer avec d'autres joueurs. Mais là pour l'instant je me débrouille bien donc ça passe. C'est un plaisir. Ok, y a trop de mobs, trop de zombies. Comment c'est que mes pièges ont été pétés là? Ok, ça arrive en masse. Attends, ils arrivent là, ok. Oula, j'ai visé un peu au-dessus. Voilà, ça se passe bien. Alors, t'as mal, mon pote? C'est des techniques de ninja, là. Ah, tiens, prends ça. Oh, ça fait mal. Oh, les shurikens font tellement mal, quoi. Ok, nickel. Ça se passe bien. En plus, on récupère assez vite, quand même, les shurikens. On va utiliser encore. Ça fait quasiment un one-shot, quoi. C'est quasiment un one-shot. Bon, heureusement, ils arrivent pas de tous les côtés en même temps. Oh, le magnum. Oh la puissance les amis. Oh ce magnum quoi. Tiens prends ça. Tiens. Ok nickel. Ça se passe bien. Ok tranquille. Ils sont beaucoup trop nombreux mais je suis tellement stylé. On va mettre un là quand même. Comme ça on va être mieux. Ok. Ils sont en train de péter le truc, je sais, je suis au courant. Attends, il est passé sur le côté. Oh ça a marché. Oh non ils sont passés derrière. On va faire ça comme ça, regarde, ils vont pas être tentés. Bon, allez, passons là directement. Quoi, c'est déjà fini? Mais c'était tranquille de fou! Ok, le bouclier anti-tempête va subir une attaque depuis l'est. Ça roule. Oh, attends, je suis en train de récolter absolument tout ce qu'il faut. Ok, on va être de l'autre côté. J'aurais bien voulu augmenter le truc de vitesse là-bas, mais je sais pas si ça va jusqu'au bout. Mais dans le doute. Ouais, dans le doute, on va le faire. Dans le doute, on va le mettre. Ok c'est bon, temporairement, bon ça me permet juste de rattraper le temps que je viens de perdre d'aller là en fait tu vois. Donc du coup bon, alors j'ai pas envie d'utiliser les autres pièges parce que honnêtement on est plutôt bien. Non non c'est bon, c'est bon, c'est bon, si je dis que c'est bon tu vois. Ok donc là c'est good, on va peut-être... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh l'over a balancé tête carrément, c'est quoi, c'est les têtes explosives? J'ai pas le temps de voir. Oh. Ah, ça balance des têtes vivantes. Oh, je le vois, il est caché. C'est bon, je l'ai eu. Oh là là, c'est chaud. Ils sont trop nombreux. Tiens, prends ça, prends ça. Oh là 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 là. Ils ont une espèce de... de tentacule horrible, là. J'en vois qu'il y en a un autre là. Heureusement qu'il y a le radar, quand même. Par contre, le problème, c'est que là, je vois que c'est en train de m'attaquer par le sud. Ok. C'est parti, j'y retourne. Ouh là là, c'est pas bon, c'est quoi ça? Oh, ça a pété. Oh là là, c'est pas bon signe. Ouais bah ouais, sans déconner, tu crois que je suis au courant? Je le vois très bien que ça a attaqué. Ça vise pas automatiquement ça. Dommage. Ok, je me mets en dessous, histoire de pouvoir les aggro un petit peu. Ok, ça se passe bien, par contre ouais, je vois qu'il y a du monde là. Oh là là là. Oh là 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 là. Ça attaque la base. Tentacule. Je répare, je répare. Oh non, ça descend là. Attends, il est où? Il est où? Attends, je l'ai eu. J'ai dû l'avoir, j'ai dû l'avoir. Ok, je regarde le bouclier anti-tempête, ça se passe bien. Ça se passe bien.
Ok, nickel. Il y en a d'autres qui arrivent. Oh, ça prend cher. Attention à la tentacule. Oulala, oulala. Heureusement que j'ai esquivé le truc. Tranquille, ça se passe bien. Pas possible. Recharge, recharge, recharge. C'est un gros lui, il fait mal. Oh là là, oh là là. Il résiste de fou. Nickel. En plus, il a des ressources. Super. On est bon, les amis, on est bon. On a de l'entraînement. Bientôt à sec. Bientôt à sec. Ok, ça roule, je fais des munitions. Je fais des munes, je fais des munes, je fais des munes, je fais des munes, je fais des munes. C'est ce qu'il faut. Ok, on utilise le shuriken. Qui enlève quand même la moitié des PV. C'est bon, ça se passe bien. Ok. Bon. On va garder les shuriken dès qu'on va on peut le faire. Oh, un gros avec une protection de pieuvre. Je me demande si la pieuvre, quand tu le vas pas le, l'autre, il vient pas directement sur une autre. C'est un autre zombie. Je me pose la question. On va essayer de checker au passage. On va bousiller la pieuvre en premier. Ça, tu résistes, hein. Tu résistes, hein. T'essaies d'esquiver. Ah, mais tu sais pas qui t'a fait. Oh, trop nombreux, trop nombreux. Bon, moi, ce qui est bien, c'est qu'ils passent par au-dessus. Oh, ça fait mal. Oh, j'esquive, j'esquive. J'ai vu qu'il y en avait un autre là, je crois. Non, ok, c'est bon, je l'ai eu, c'était bien lui. Voilà. Ok. Ouh, toi. Je te mets la pioche. Attends, il y en a d'autres. Oh, il y en a au niveau de la base. Je suis au courant. C'est bon, il est bousillé. J'ai l'impression que oui. Ok, ça se passe bien. Yes. Yes, c'est bon, ok, ils sont fait avoir. Yes. On a réussi, les amis. Oh là là, ça fait mal, hein. Oh, c'était chaud. J'ai cru que j'allais pas y arriver, quoi. Bon, malheureusement, c'est pas ici qu'on allait avoir le plus de ressources possible. Mais j'avoue, quand même, c'est pas mal. J'avoue. On a pété pas mal de lamas avant, hein. Ça fait plaisir là-dessus. Oh là, l'XP, l'XP. Oh, attendez, les amis, c'est le moment de la récolte du coffre. Oh là, ça monte, ça monte. Oh, yes. On va voir celui-là, on va voir celui-là, c'est sûr. Est-ce qu'on va voir celui-là? Oui. Coffre de niveau 4. Le coffre à 13 s'ouvrira sur l'écran joué. Oh, t'inquiète que je suis au courant. T'inquiète pas, l'ami. Eh ben, écoutez, les amis, j'avoue quand même que ce ninja est plutôt pas mal, hein. Honnêtement, il a une puissance assez oufissime. Et en plus de ça, bon, on a eu de la chance, on l'a un petit peu découvert dans les lamas juste avant. Ok, on ouvre le coffre. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, mini lama. Oh, échangez votre lama gratuit dans l'onglet butin. Oh non, non, je veux le garder, moi. Est-ce que je peux le garder? Wow. Vous sentez la puissance du bouclier? Oh, c'est bug. Troublant. Génial. Ouais, bah ouais, c'est troublant. T'as vu ça ou quoi? Bon, les talons, je les mettrai après, les amis. J'aime bien le faire un petit peu en hors-cam. Bon, après, ça dépend du truc. Alors, attends. Hey, ils sont à moi, ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a dans les mini-lames? Oh, ils sont tout petits. Le bruit qu'il fait, c'est énorme. Allez, montre-moi ça. De l'X. Merci. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, des lingots. Ça balaye. Ça balaye. Ensuite, encore un autre. Allez, vas-y. Des petits trésors. Ouais. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Tu es rare. Tu es tellement rare. Oh là là. À la guitare. Non, tu crois? Wow. On a eu des pièges, on a eu un pompe. Qu'est-ce que c'est? Oh, un survivant rare. Oh, une épée. Épée Island, wow, l'épée tellement stylée, quoi. Oh là là, on s'est mis bien, les amis. Regardez-moi ça, quoi. Oh, tellement stylée cette épée, quoi, mais non. Eh ben, dis donc. Alors, du coup, c'est quoi la prochaine quête? Allez dans l'onglet héros pour augmenter le niveau de votre héros de votre choix. Ah, j'avoue. En fait, j'aime bien tous les tester, en fait, avant de pouvoir savoir un petit peu quel héros je voudrais améliorer, quoi. Mais, on pourrait avoir un coup de pied de faucheur. La taillade du dragon. Oh, et là, c'est quoi, lui? Grenade frag, onde de choc, opération commando. Tire 18 fois par seconde. Oh, oui, parce que j'ai tellement de héros maintenant, les amis. Oh là là, opération commando. Tire 18 fois. Ah oui, voilà, c'était ce compétence. D'accord. Tellement stylé. Bah, moi, le mieux, c'est qu'on garde quand même. Écoutez, un légendaire. Ça pourrait être bien. On va... Je peux faire améliorer? Ouais, on va aller améliorer. Augmenter son niveau. Allez, bam! Confirmé. Ok, attention. Oh, quête terminée. Formation de héros phase 1. Allez, dis-moi ce qui se passe. Ah, d'accord. Ok, bah super l'air, mais on la connaît tous celle-là. Ok, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la suite? Est-ce que j'ai une autre quête? Quelle est la quête suivante, l'ami? Oh, vous n'avez pas encore de quête. Ah si.
Allez dans le arsenal pour augmenter le niveau de l'arme de votre choix. Oh! Ça y est, malheureusement, je pense pas qu'on va améliorer une arme tout de suite. Bon, même si ça fait partie des quêtes, il va falloir que je le fasse au bout d'un moment. J'ai envie de partir quand même, encore une fois de plus, à la bataille. Et du coup, on va non pas aller à ma base, mais on va aller directement ici. Donc, combattre la tempête dans Fontainebois. Ok, donc est-ce que vous êtes prêts? Bon, on fera les quêtes plus tard. Parce que là, j'ai pas encore ce qu'il faut pour créer d'autres armes, tu vois. Donc, je vais pas améliorer une arme un petit peu basique. Je trouve que ça serait vachement dommage. Par contre, les amis, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir regarder tous nos points de talent améliorer un petit peu dans le temps. Bon, on est talent, justement. Donc, du coup, on va obtenir regardez, pas mal de petites choses. Alors, on avait débloqué, comme vous le savez, enfin, hier, au niveau de la page des recherches, on a obtenu, bah écoutez, les trucs de recherche. Voilà. Et ensuite, on a obtenu, enfin, il y a moyen d'obtenir la forme. Donc, augmente les PV de taux de régénération de 1% par point. Ça, c'est pas mal. Ensuite, augmente les dégâts des armes de mêlée et à distance de 1% par point. Bah écoutez, moi, j'ai acheté le truc. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, on aurait augmente le nombre d'emplacements de stockage par le bouclier anti-tempête. Là, on augmente le nombre d'objets pouvant être transportés par le sac à dos. Ça, je trouve ça vachement cool. Ensuite, augmente le bouclier et le taux de régénération. Le bouclier, bon, ça, ce sera pour la fois prochaine, étant donné que là, j'ai utilisé un petit peu tous mes points de talent. Ok, les amis, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Ok, donc, trouver la cible pour l'Atlas. Donc, bonus, placez vite l'Atlas. Ça roule. Ok, donc, alors, on est de retour un petit peu dans notre petite forêt. Donc, normalement, ici, on devrait être assez tranquille. Oh, il y a de la bleuite. Oh, attends, on va aller là-bas. Alors, attends, ça, je prends. Tout de suite, tranquille. Oh, une maison! Il y a une maison! Alors bien sûr ça fait pas partie des quêtes hein. Ça fait exprès un petit peu pour qu'on ramasse pas mal de ressources. Alors ça bien sûr au fil du temps j'arrive. Elle m'appelle à l'aide. Il y a sûrement qui m'appelle à l'aide. Ça au fil du temps bien sûr je le ferai tout ça. Mais bon là à ce que vous montrer un petit peu aussi également qu'il est possible que je farme certains trucs tout seul pour mes ressources. Et du coup acheter bien sûr, enfin du moins fabriquer des nouvelles armes. Oh bien ça. Alors si bien sûr ils vont dans le coin. Oh salut, comment ça va? T'inquiète, c'est mon job. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh les munes, donne-moi un petit peu de tu sais. Voilà, on va se faire plaisir, on va récolter un petit peu tout ça au passage. Et on va essayer de trouver la zone à peu près où on pourrait placer l'Atlas. Sachant que on a un timer, donc il faut falloir se dépêcher absolument pour trouver tout ce petit emplacement. Et faut avouer quand même les amis qu'on a jamais vu un coffre aussi stylé quand même. Sans déconner, regardez comment il est immense. Oh, waouh. Waouh, génial. Oh my god, des pièces mécaniques et tout. C'est tellement cool. Bon par contre, il va falloir vraiment que je me grouille là pour l'Atlas. Parce que sinon ça va être chaud patate là. Ok les amis, c'est bon, j'ai trouvé du coup la cible pour l'Atlas. Bon par contre, j'aurais pas le bonus du fait que j'y suis allé vachement vite. Parce que bah, de toute façon en fait, j'ai essayé de récolter maximum de ressources hein, comme par exemple du minerai. Parce que oui, hein, dans les mines hein, que vous pouvez trouver directement au niveau de la map, vous allez pouvoir obtenir du minerai. Voilà, ce qui sera complètement pratique hein, bien entendu pour bah, écouter fabriquer les nouvelles armes comme je le disais. Donc du coup alors, on va placer l'Atlas. Enfin, je pense qu'à un moment donné, le mieux c'est de protéger la base. Bon, on va d'abord la placer. Allez, vas-y, on y va. Comment ça se place? Oh! Wouah! Certainement pas. Wouah! Bah, si, c'est certainement que si. Mettez de la bleulite dans l'Atlas. D'accord! Ok, alors, bon, alors tu vas attendre 2 secondes, hein, le temps que je pète ces arbres là qui non seulement me servent à rien parce que bon, les zombies vont pas envoyer non plus des projectiles toutes les 5 secondes, mais au moins vont me permettre de récolter des ressources, hein. Voilà, donc du coup, c'est ce qu'on va faire. On va mettre, on a pas mal de briques, donc je propose qu'on se mette en briques, mais genre bien comme il faut quoi. Alors c'est vrai que bon, je pourrais poser des pièges, mais bon, tant que je sens pas la nécessité au niveau des zombers, hein, donc de pouvoir, oh attends, je crois que j'en ai un. Attends, c'est moi, il y avait un zombie. Voilà, mon pote. T'as eu du mal. Il y avait un zombie qui était bloqué sous les escaliers que j'ai build, quoi. Donc, du coup, on va en mettre un là comme ça. Un mur comme ça. Pareil, la même. Bon, après, il faut que je pense, si je veux remonter, tu vois, par exemple, mettre un truc comme ça, ça pourrait être en fait plus intelligent, quoi. Oh, wow, j'ai un double jump. Wouah, c'est sûrement avec l'amélioration que j'ai dû ajouter à mon avis à mon ninja. Donc, du coup, le problème c'est que ouais, les zombies eux aussi peuvent grimper là-dessus. Mais bon, ça devrait le faire. Oh, c'est tellement cool. Oh là là, c'est génial. C'est génial. Oh là là, le double jump quoi. Ok, bon. Alors ouais, en plus c'est l'énergie qui est en haut à gauche hein. Vous voyez la petite barre orange. Ah, d'ailleurs, le bouclier se recharge comme vous ne le savez pas. Donc du coup, j'ai les nouvelles armes bien sympathiques. On va tester ça. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, attention. Augmenter la difficulté, difficulté max, ça roule. C'est parti. C'est, attends, je mets de la bleuite, 2 minutes. Ok. Jour restant 1. Mais la construction, 45. Enfin, de recommander, bah t'inquiète. Ça va bien se passer. 5 secondes avant l'activation, ça roule. Oula, par contre, il y a des zombies là-bas, j'aurais peut-être dû les péter avant en fait. 8 minutes. Ok. Alors, ça va être chaud. Mais il y a moyen de tenir. Maintenant, il y a moyen. Ok, ils arrivent par là. Alors, j'ai pas d'arme j'ai pas de sniper ou quoi. Mais j'ai ce qu'il faut quand même pour me défendre. Ok. Ça devrait le faire. J'ai un pompe et tout donc ça devrait aller. Ok, on va le prendre. Oh là là.
Oh, le pompe fait... Ah oui, c'est ça, regardez. La pieuvre, en fait, elle récupère bien la... les corps. Oh là là, le pompe. Oh là là. Oh, le one shot. Oh là là. Pour en avoir deux en même temps, je parie. Tiens, tiens. Toi, la pieuvre, t'occupes de personne. Pierre, tu me protèges, moi, je veux bien. J'aimerais bien. T'aimerais bien, hein. Ok, ça se passe bien. Ça se passe même très bien, les amis. Ok, allez, ça pompe. Ça pompe. Ok, le shuriken. Oh là là, il y a tellement de zombies. Faut qu'on tienne encore 7 minutes, les amis. Ça devrait le faire. Surtout, bien s'occuper des espèces de pieuvres, là. Oh là là, les shuriken qui sauvent la vie. Attends, je vais prendre l'autre pompe quand même, parce que j'ai bien envie de le tester, même si, bon, il est un peu plus endommagé. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, pieuvre. Voilà, c'est bon, je recharge, vite, je recharge. Pour l'instant, ça va, ils arrivent que du même endroit. Ça se passe bien. Nickel, par contre, ouais, les pieuvres sont terribles. Oh là là. Ok, elles arrivent, elles sont encore là. J'ai récupéré mon pompe de base. Oh là 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 là. Ok, ça se passe bien, les amis, heureusement qu'ils sont un petit peu déconcentrés. Ils veulent s'attaquer au bois, je sais pas pourquoi. Comme si cet obstacle-là allait les gêner, quoi. Oh là, le pompe. Tiens, shuriken. Ouais, c'est bon. Ok, on profite, y'a plus personne, je recharge. Je recharge tout. Ça a l'air d'aller. Alors, on s'occupe de tous les zombies qu'on peut avoir. Avant qu'ils arrivent. Avant qu'il y ait une nouvelle vague, en fait. Ok, nouveau zombie. Oh, ça fait mal, hein. Ça me fait mal, les shurikens. On va aller voir là-bas. Ok, tout se passe bien pour l'Atlas. Attention, ils sont de retour, les amis. Allez, on les tient. Ok, 5 minutes. Alors, je vais fouiller en même temps ce que je peux. Ok, ça, je peux pas. Ça, on va garder. Heureusement qu'il y a le tronc d'arbre là qui est tombé là. Ok, nickel. Ok, ça arrive en masse. Oh, les pieuvres, c'est les pires, regardez. J'essaie de les viser avant en fait. Ouais, c'est bon. Nickel. Allez, shuriken. Oh là là. Triple kill. Oh, je t'avais pas vu, toi. Je te cherchais justement. Nickel. Ok, ça se passe bien. Ok, ça se passe très bien même. Et encore 5 minutes. Fouille des fougères. Moi, je vais directement encore. Hein. Trop de zombies. Dire que je suis tout seul. Ah ouais, tu crois? Bah pour moi si. Attention. Oh là là. Oh, l'autre j'aurais pas, il est trop loin. Ça va, ils sont pas occupés par moi, mais bon, même si j'aurais préféré. Ok, nickel. Shuriken. Ça fait mal le shuriken, hein, mon pote. Ok, 4 minutes 30. Le pompe. J'ai d'en avoir deux en même temps, mais c'est pas évident. Ok, nickel, ça marche bien. Ça se passe bien. Shuriken. Nickel. Ça va, ceux qui sont derrière, ils prennent en même temps. Nickel. Encore un peu. Là, je recharge. Ok, là, j'en profite. Allez, recharge tout. Ok, allez. Allez, les amis, on peut le faire. Pour la bonne cause. Bon, par contre, lui, je vais éviter d'utiliser parce qu'il est pas... Enfin, il fait très mal, mais le problème, c'est qu'au niveau de la résistance de l'arme, c'est pas trop ça. Ok, c'est bon, nickel. Ça, on peut le péter ou pas? Avant que ça spawn. Ah, j'ai pas l'impression. Ah, non, tu peux pas, on est d'accord. Ok, nickel. Ok, les amis, attention, c'est la dernière ligne droite. Alors, ça se passe plutôt bien, honnêtement. Là, c'est une petite manette de santé. On a regardé devant des zombies un petit peu baseball man, comme je les appelle, tu vois. Donc, bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Allez, ça, allez, hop, ça dégage. Allez, ça fait mal, mon pote. Ok, 40 secondes. On sort le pompe. Allez, on va s'amuser un peu, tiens. Allez, le pompe. Oh là, le shuriken maintenant. Oh là 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 là, la puissance. Esquive le shuriken, esquive. Ok, je recharge, attends, je vais utiliser. Tiens. Oh là là, le shuriken est vraiment puissant quand même. J'aime beaucoup le ninja. Ah, c'est ça qui est cool quand même, toutes ces compétences qu'on a, quoi. Tellement génial, quoi. Tiens, shuriken. Tiens. Ok, ça se passe bien. Un peu trop nombreux, mais ça va aller. Ok, c'est bon. Ah, j'aime bien ce bruit. Ça fait peur au début quand tu l'entends, mais tout se passe bien. T'as l'impression que tout va péter, tu sais. D'ailleurs, on va peut-être s'éloigner, on va se mettre là au cas où, tu vois. Oui, ils arrivent et c'est fini. Et yes. Oh là là. Oh. Voilà. Donc ça, à mon avis, je pourrais le faire. Enfin, je le ferai pas mal de fois en hors caméra, les amis, mais je voulais vous montrer quand même un petit peu la défense de la classe. Voilà, mais qu'on le découvre ensemble déjà. Parce que bon, ça me permettra d'obtenir des nouvelles ressources. Oh. Tellement stylé, yes. Allez hop, la récompense, l'ami. La récompense. Ok, XP. Et des commandants.
Allez, ça monte. Oui, il y a un nouveau point débloqué. Level up. Ça level up, ça level up. Encore un peu. Allez, ah, dommage. C'est juste. C'était juste. Par contre, au niveau du coffre, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on aura pas grand chose, je pense. Enfin, quoique, même si on a bien effondu, mais bon, c'était pas vraiment une quête principale. Ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez faire à côté, il me semble. Si je dis pas de bêtises, tu vois. Donc, du coup, ok. Oh, quand même! J'ai l'impression qu'on a toujours le même coffre. Ouais, on a toujours le même coffre, quoi. Peut-être qu'on n'a pas le choix, tu vois. Donc, du coup, ok, on récolte. Retour à la base. Et les amis, on va pouvoir un petit peu voir ce qu'on a effectivement et débloquer. Même si bon, la quête principale reste quand même le fait d'améliorer une nouvelle arme. Mais bon, ça me permet en fait de pouvoir débloquer des nouvelles ressources. C'est ça qui est cool avec ce genre de mission. On a débloqué des personnes, ok, de l'XP. XP de survivant, vraiment le top du top. Et bah écoutez les amis, dans tous les cas, avant de se quitter, je propose quand même qu'on ouvre un dernier petit lama. Parce que bon, hein, c'était quand même, voilà, hein, c'était quand même un petit peu l'épisode lama. Oh, il est tellement stylé celui-là. Oh, tellement classe, ouais. C'était un peu l'épisode, bon, ouverture de la main et du coup déblocage de nouvelles armes. Même si bon, on les a pas encore fabriquées, on les a au moins débloquées en Sheva, c'est ça qui est vachement cool. Oh, tout ce que j'ai débloqué par contre, bon, j'ai des trucs en double, donc je pense qu'à mon avis on peut les recycler. Enfin, peut-être pas, c'est des plans, après je sais pas, tu me diras, mais... Oh, waouh, tellement stylé ce truc. Et vous avez vu ça? H à argon. Oh, H à néon, quoi. Une H à la vitesse de maniement lente qui inflige des dégâts d'énergie. Oh my god, tellement stylé, même Jess là, regardez comment elle est stylée, quoi. Enfin bref, les amis, dans tous les cas, on va s'arrêter là du coup pour ce nouvel épisode sur Fortnite Sauver le Monde. J'espère en tout cas les amis que ça vous aura extrêmement plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de bombarder sa barre de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir, ainsi que vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous remercie grandement les amis une fois de plus pour tout vos retours et pour toutes vos astuces. On se retrouve du coup très bientôt pour la suite de Fortnite Sauver le Monde. C'était le Jumper et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.